Mushumba. Voilà les guéris d'Agnaka, courez! 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 Puis-je voir les filles? Bien sûr. Amenez-moi celle-là. Viens là. Dépêche-toi. J'en ai doute. J'ai celle que vous voulez. Ramenez celle-ci et apportez celle qui a été tuée. Tu peux revenir par ici, toi. Amenez-moi la plus têtue. Amenez-moi cette tête de mule. Sors!
Plus vite! Amenez-moi cette tête de mule. Allez, laisse-toi aller. Ouvre ta bouche. Rentre. Le reste les rejoindront bientôt. Qu'en est-il du roi? Il est dans son palais. Allons au palais. Ils ont vraiment ce que nous cherchons. Oui, monsieur. De très bonnes filles. Amenez la petite. Amenez la petite. Obidike le plus fort. Obidike l'invincible. Obidike le tout puissant. Obidike le sauveur. Les dieux ont choisi Obidike pour marcher parmi les hommes. Pourquoi parles-tu comme si tu t'étais fait piquer par Itoro, la fourmi folle? Écoute, tu sais, les habitants du royaume d'Obikeke ne cessent de le dire. Puis-je te poser une question, Obidike? Tu les as vraiment sauvés des griffes, des guerriers d'Anyaka? Ou c'était juste pour te vanter? Ils se sont présentés à moi en premier. Je me devais de tous les terrasser. C'est de l'autodéfense. Tu les as terrassés. Je vois. Alors tu les as terrassés. Il est donc évident que tu n'as pas pris en considération ce que je t'avais dit. Obidike, as-tu oublié qui sont ces guerriers? As-tu oublié qui sont les guerriers d'Anyaka et ceux dont ils sont capables? Je vois que tu veux tous qu'on crève. Pour te dire la vérité, je ne sais pas pourquoi les hommes de ce village ont tellement si peur des guerriers d'Anyaka. Je suis Obidike, le fils des dieux. Les gens ne doivent pas marcher avec de la peur dans le ventre parce qu'ils n'ont pas le courage de se défendre. Tu préfères te cacher dans ta hutte parce que t'as peur et tu abandonnes ces jeunes filles. Obidike. Obidike, tu es spécial. Nous ne sommes pas comme toi. Mais ne parle pas de nous de cette façon. Car les dieux t'ont doté d'une force incroyable. Obidike, nous n'en demandons pas trop. Nous n'en demandons pas plus. Tout ce que nous te demandons, c'est de nous laisser vivre encore un jour de plus. Que l'air dans nos poumons puisse encore durer une seule journée. Je t'ai entendu. La prochaine fois, je ne m'en mêlerai pas. Ouais, Masenachi.
En amour. Tu as dû voyager toute la nuit pour être ici ce matin. Pourquoi n'as-tu pas attendu que le soleil se lève? Je ne pouvais plus attendre quand j'ai su que tu as bagarré avec les guerriers d'Anyaka. Je n'avais plus d'autre choix que de rentrer sans me soucier des esprits de la nuit. Tu minimises mon geste de bravoure envers ces lâches. Je suis Yobidike, le fils des dieux, le plus fort. L'œil qui ne peut regarder la flamme et le soleil en même temps est un œil qui ne vivra pas éternellement. Je peux voir de la lâcheté, de la faiblesse chez les hommes de cette terre. Moi, Yobidike, ne sera jamais faible. Jamais. Tu peux appeler ça de la faiblesse. Mais c'est grâce à ça qu'ils sont encore en vie. Un lion mort est mieux qu'une antilope vivante. Les dieux savent que nous devons vivre. Ma femme, ne parlons pas de ce que les dieux savent déjà ici. Viens, viens. C'est la toute première fois qu'un homme de ce royaume prend le courage de nous défendre. Yobidike n'a pas juste pris notre défense, mais il a aussi humilié le peuple du royaume d'Anyaka. Maintenant, je comprends pourquoi mon père l'appelle le fils des dieux. Écoute, nous, le peuple d'Onike, ne devons pas simplifier ça. Exact. Oui. Nous devons aller le remercier. Tout pour nous avoir sauvés. C'est une chose normale. C'est normal. Tu as raison. C'est ça. Si seulement tu voyais comment Yobidike, mon mari, était furieux quand il a su que j'ai pris les cadeaux de ces gens. Ces mêmes gens qui l'ont sauvé. Yobidike. Yobidike était furieux. Juste parce que j'ai accepté ses cadeaux. Les cadeaux offerts par ces personnes qui l'ont sauvé. Des gens qui sont venus le remercier. Je croyais qu'il voulait être un héros. Pourquoi? Pourquoi se fasse-t-il parce que tu as accepté ses cadeaux? Pourquoi? Je ne sais pas où. Je ne comprends pas. Yobidike. Yobidike. Il n'y a pas de mystère en ce qui le concerne. Il n'y en a pas. Où est-il? Je jure par les dieux que je ne sais pas. Il est parti avec ses amis ce matin. Fouillez partout! Vous ne pouvez pas mener la danse. Je suis le fils des dieux. Indestructible. Je vous donne une chance de repartir la vie sauve. Sinon, vous le regretterez. Car je vous trancherai la gorge. Retournez chez votre roi. Guerrier du royaume d'Anyaka, est-ce que je peux savoir ce que vous voulez au fils des dieux? Notre roi, Iguezago vous demande, au palais. Votre roi. Il est votre roi et non le mien. Je vous envoie lui dire que je suis occupé pour qu'il puisse me voir. N'abusez pas des pouvoirs qui vous sont donnés par les dieux, fils de Numbuiza.
Je ne me le permettrai pas. Hors de ma vue. Partez. Je suis Obidike, le fils des dieux. M'as-tu appelé ici pour voir comment souffrent ceux dont t'as tué leurs parents? Je te pardonne. Insolent. Les anciens m'ont dit que tu seras utile. Comment tu t'appelles? Il s'appelle Obidike. Fils de Ndoubeze. Le descendant des dieux, mon seigneur. Il est le fils de Anyaoutoutou, la déesse, c'est ça? Oui, mon seigneur. Les maîtres ont dit que tu seras vraiment très utile. Et ensemble, avec ta force, nous dirigerons le monde entier. Et nous le conquérons. Grâce à ta force incroyable, combinée avec ma sagesse et mes ressources, eh bien tous les deux, nous serons les plus riches de toute la surface de la Terre. Je ne comprends pas. Je connaissais ton père. En fait, je connaissais tes parents. Ton père était le plus pauvre homme d'Inonwike. Sans parler qu'il était marié à la
plus grande déesse. Est-ce que tu veux finir comme lui? C'est ce que tu veux? Tout ceci est pour toi, mon ami. Ah, en quel honneur. Bien, disons que c'est pour avoir fait tout le chemin depuis Owinke, pour me faire grâce de ta présence. Je ne peux pas les accepter. Eh bien, pour dire vrai, je peux voir la pauvreté courir au travers de tes veines, même dans ta lignée. Ndiri, il met trop de temps pour entrer. Es-tu sûr qu'on ne l'a pas tué? T'ai-je entendu dire tué? As-tu dit tué au Bidigué? Aucun homme ni esprit ne peut tuer au Bidigué. Écoute, seul Dieu peut tuer au Bidigué. Le créateur du ciel et de la terre, même si les gardiens de la terre le voulaient. Au Bidigué ne pourra pas mourir. Calme-toi, ma Senachi. Au Bidigué rentrera. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il met trop long comme ça? Ma, je constate que tu ne connais pas l'homme que tu as épousé. Obidike sera de retour. Et très bientôt, il sera dans tes bras. Calme-toi, ma Senachi. Votre Altesse, vous avez pu le reconnaître? Oui. Oui. Oui, je l'ai fait. Mais c'était difficile. Je n'ai jamais dit que ça allait être facile. Car un homme comme lui doit coûter très cher. Votre Altesse, offrez plus de prison. Il finira par accepter. Et vous l'aurez. Toi, depuis combien de temps es-tu avec eux? Je suis née esclave. Ma mère était enceinte de moi quand elle s'est fait kidnapper et amener au camp. Qu'en est-il de ta mère? Morte. Dieu merci, elle s'est retrouvée chez notre Seigneur, Igwe Ezeagu. Il a traité bien. Mais un jour, elle a eu un rhume et elle n'a pas survécu. Elle est morte. Et toi donc? Je m'appelle Isido. J'ai été arrachée à mon père il y a de cela 9 ans. Et quand mon père s'est révolté, ils l'ont tué. Allez-vous travailler avec lui?
Il est diabolique et méchant. Oh, Isido, surveille tes paroles. Laisse-moi m'exprimer. Monseigneur, je craignais qu'il te fasse du mal. Obidike, ta femme était inquiète. Tellement inquiète. Mais je lui ai dit que c'est quand le soleil se couchera sur moi, Nyoma, que le Obidike que je connais rentrera. Je savais que tu rentrerais. Je combattrai pour eux. Et ils m'ont montré leur amitié. Regarde tout ce qu'il m'a offert juste parce que j'ai accepté de le voir. Tu viens de dire amitié? Comment ça, ami? Nous devons partir maintenant. Le soleil est en train de se coucher, pourquoi ne pas attendre et retourner chez votre chef demain matin? Non, monseigneur. Laisse-les partir. C'est très dangereux de marcher dans la nuit. Je vous conseille de rester. Hein? Obidike, je ne suis pas encore mariée. Elles peuvent rester avec moi. Merci, mais nous devons partir. Moi, je veux rester. Tu l'as entendu? Écoute ton ami et reste. Qu'est-ce que Igweizuku attend vraiment de toi? Il veut que je fasse partie de son armée. Et il désire tant mon incroyable force. Il te veut dans son armée. Pour qu'il t'aide à conquérir nos terres? Jamais. Oniki est mon royaume. Et je ne pourrai jamais vendre Onike. Jamais. Je ne laisserai jamais les guerriers d'Anuaka envahir cette terre. Jamais. Ne penses-tu pas qu'il voudra nous attaquer? Si jamais tu échoues? Egwesia, qu'on n'a pas d'autre choix. Je ne pourrai jamais jouer et ça ne peut pas lui passer par la tête. Et si jamais il essaye, je le tuerai de mes propres mains. Et il n'a pas d'autre choix. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que mon seigneur qui puisse me toucher. Mon seigneur, apprécie ton ami. Peux-tu m'aider à le convaincre à parler à mon Seigneur afin qu'il m'accorde ma liberté? Et je serai à toi pour toujours.
Attends, dis-moi. Ces mots qui sortent de ta bouche, sont-ils sincères? Je vois. Je lui parlerai. Et je le ferai. Si seulement si tu me permets d'entrer dans ton jardin secret ce soir. Bien sûr. Bonjour, cher ami. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête? Vas-y, parle. Bonjour, Ndéré. Pas besoin de demander comment tu as passé la nuit. Car je suis sûre que tu n'as pas fermé l'œil de toute la nuit. Je constate que vous êtes soudainement devenus voyants tous les deux. Eh bien, écoutez, la mauvaise nouvelle, c'est que je ne viendrai jamais chez vous pour vous demander conseil. Ma, la plus belle, s'il te plaît, mon ventre est vide. J'ai très faim. Puis-je avoir quelque chose à manger? Je sais. Assieds-toi, je vais te chercher quelque chose à manger. Hé, dis-moi, est-ce qu'elles sont rentrées? Elles sont parties après le premier chant du coq. Ah. Alors, qu'est-ce que tu voulais bien me dire? J'imagine que tu veux connaître les détails. Asseyons-nous et je te raconterai tout. Obizike, je parle comme si tu ne me connaissais pas. Elle n'a rien de plus que toutes les autres filles que j'ai déjà eu à goûter. Elle n'était pas si spéciale. Elle t'a fait plaisir, pas vrai? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'elle a fait. Mais elle m'a fait pitié. Et maintenant, tu me parles comme si tu étais mon père ou ma mère. Pourquoi veux-tu toujours me faire culpabiliser? La question est, vas-tu le faire pour moi ou non? Bien, je le ferai. Mais à condition que tu acceptes de la prendre comme ton épouse. Et c'est reparti. Voilà que c'est reparti, toujours en train de me faire passer pour le méchant. Car c'est toujours moi le méchant. Ndéré, écoute-moi, j'ai une question pour toi, mon ami. Ne trouves-tu pas que tu es assez vieux pour te marier? Ne l'es-tu pas? Salutations, grand guerrier. Ceci est en présent de mon roi, Igwe Ezoagu.
Qu'en est-il de ton ami Isido? Elle n'est plus. Allez. Pourquoi notre roi a-t-il tué Isido? Oulaku, tu ferais mieux de la fermer et t'occuper de tes affaires. Ou bien tu veux finir comme Isido? Non. Bien. Toi, souviens-toi que tu as des choses à faire pour moi. Tu iras au champ me chercher de quoi manger et du bois pour cuisiner un repas pour moi. D'abord, va me chercher de l'eau à boire. Qui es-tu, inconnu? Je suis Obidike. Quelqu'un m'envoie pour vous tuer. Tu es un idiot si tu penses pouvoir me tuer. Masenachi. Ndere. Il est rentré? Ça fait 3 jours déjà et personne ne l'a vu quelque part. Ne t'inquiète pas. Obidike rentrera. D'accord? Je sais qu'il est en sécurité, peu importe où il est. Il reviendra. Ndere. Je ne m'inquiète pas seulement pour lui. Et moi alors? Est-ce que tu sais ce que je ressens? Masenachi, je sais que tu es blessé. Je comprends. Mais Obidike reviendra. Même le soleil, l'air que nous respirons, le vent, savent qu'il reviendra. Il sera de retour dans peu de temps. D'accord? Tu m'entends? Oui. La mission a été accomplie. Et ils sont tous morts. Génial. C'est bien.
dit que... Encore une chose, une mission de plus. C'est juste une mission de plus. Pas maintenant. Je dois rentrer. Ma femme doit déjà être en train de s'inquiéter pour moi. Oh, BDK. Comment va ton ami Ndeli? Je ne m'amuse pas avec mon ami Ndiri Adwigo. Si quelque chose lui arrivait, je tuerais tous ceux qui vous sont chers dans ce royaume. Pourquoi est-ce que la cupidité joue-t-elle un grand rôle dans la vie des hommes? Pourquoi? C'est la nature des hommes. La nature des hommes. La nature des hommes. Attends, tu veux dire que
ton mari Obidike a tué des hommes de 5 royaumes différents à lui tout seul. Il a dit que tuer ces hommes était plus facile que de couper les sabres. Sans parler du fait qu'ils étaient les pères de famille et des époux. Ce n'est pas croyable. Ce n'est pas Obidike. Ce n'est pas Obidike, non. Où est passée sa noblesse? Où est passé son cœur pur? Ce cœur qui est toujours prêt à aider. Pourquoi cette soudaine envie de richesse? Je ne reconnais pas Obidike. Ce n'est pas Obidike. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mon mari me manque. Cet homme qu'il a l'habitude d'être me manque. Ma. Ma, il l'a tué. Il l'a tué simplement parce que... Il a appris que elle m'a laissé goûter à son fruit défendu juste pour une nuit. C'est ce que mon mari a dit. Mais Ndéri, pourquoi l'as-tu fait? Tu aurais dû la laisser à l'instant où son ami t'a repoussé. Tu aurais dû la laisser. Ma, je sais que j'aurais dû la laisser. Je sais que j'aurais dû les laisser. Mais, ma, c'était plus fort que moi. Ah, tu sais comment ces choses sont. Je n'ai pas pu me retenir. Et elle était consentante. Je ne l'ai pas forcée. Ndéri, tu devrais faire très attention. Selon ce que j'ai entendu, ce roi est un homme très méchant. Il n'aurait pas apprécié que tu goûtes à ce que lui, il a l'habitude de goûter. Obidike, le grand guerrier du royaume dominiqué, accepte mes salutations. Je remercie les dieux de t'avoir donné cette force. Tu es un grand homme. Tu dois être Ogunga. Ogunga d'Obimbawa. Oui, c'est exact. Je sais pourquoi tu me cherches. Le roi t'a envoyé pour me tuer. Dis-moi, pourquoi n'es-tu pas allé te cacher à l'autre bout du monde? Obidike, peu importe où j'irai, je sais que tu finiras par me trouver. Alors pourquoi vais-je fuir? Je ne suis pas pressé de mourir. Je veux juste aller retrouver mes enfants. Pensez-y. Qui pourra encore te solliciter vu que tu travailles pour lui? Tu pars où il veut que tu ailles. Tu trouves ce qu'il te dit de chercher et tu tues ses ennemis. Obidike, une telle vie n'a pas d'intérêt. Pour un homme béni par les dieux, comme toi. S'il te plaît, accepte ces présents. Accepte-les en échange de ma vie. S'il te plaît. Marie, es-tu rentrée? Eke. Oh, Iri.
à fond. Encore. Ce sont les 4 jours de marché qui font l'existence de l'homme. Et tu n'étais pas là. Sans que personne ne sache où tu étais. Regarde ce paquet. Un homme me les a donnés en échange de sa propre vie. Ceci n'est rien d'autre que du matériel qui sera bientôt oublié. Un étang qui rêve de devenir une rivière portera toujours la honte d'un étang. Mon marais, s'il te plaît, arrête. Ce cadeau qui t'a été donné par les dieux devrait être utilisé en bien et non pour faire tuer des hommes prématurément. Remplissant des tombes. La prochaine fois que tu oseras me parler ici, je te couperai la tête. Va-t'en. Dégage. Mon mari, Obim, Obi, il est évident que tu veux que je demeure dans cette putain de pauvreté. Une pauvreté absolue. Mais je ne permettrai pas que cela arrive. Jamais. En faisant couler le sang des innocents, sachant que tu es immortel. Je suis un cadeau des dieux. Ils m'ont donné leur force. Et je l'utiliserai à de bonnes fins. Votre Majesté, je dois retourner dans mon royaume. Très bien. J'espère bien que tu as pu trouver tout ce que tu cherchais ici dans le royaume. Oui, bien sûr, et même plus. Merci pour votre générosité. D'accord, d'accord, c'est très bien. Puissent les dieux vous ramener saine et sauve dans votre village. Aisé. Merci, votre majesté. D'accord. Merci, majesté. Tu aurais dû voir comment Obidike a terrassé les guerriers Banyaka quand ils nous ont tous capturés. Dieu merci, Obidike nous a sauvés. Car on ne sait pas ce qui aurait pu nous arriver. Ha! Donc Obidike est si fort que ça. Mais pourquoi ne nous a-t-il pas secouru depuis tout ce temps? Peut-être parce qu'il aime rester dans son coin. De toutes les façons, je suis très reconnaissante envers lui pour nous avoir secourus. Je propose qu'on aille le remercier avec quelques présents. C'est une bonne idée, car ça va le motiver à se battre encore plus pour nous. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'on devrait le faire. On devrait le faire. Il nous a sauvés. Tu lui as laissé la vie sauve. Pourquoi? Ma devise en tant que marchand de guerre est le premier arrivé, le premier servi. Le plus offrant. Tu es en train de m'insulter, Obidike. Permettez-moi de vous le dire ainsi, même le vent peut changer de direction. T'as dit que mon père était mort dans la pauvreté. Je suis ici pour rassembler autant de biens que possible. Alors,
Pourquoi le vois-tu comme une insulte? L'esprit de ton père sera très fier de toi. Tu as brisé les chaînes de la pauvreté de ta génération. Remercie tes ancêtres pour t'avoir refusé la force, mais t'ont béni avec la sagesse. Tu me dois encore, Obidike. Donne-moi un nom et j'achèverai son séjour sur cette terre. Je l'enverrai à un endroit destiné au repos éternel pour les hommes. Eh bien, je t'ai déjà donné un nom. Mon mari, s'il te plaît, ne le fais pas. Arrête de tuer les gens. S'il te plaît, tu seras riche. Et les dieux t'ont rendu riche pendant toute cette saison. S'il te plaît. Pourquoi veux-tu rester dans cette vie de pauvreté? Pourquoi? Au lieu de chercher comment me donner un enfant, tu passes ton temps à te mêler de mes activités. Comment vais-je porter ton enfant quand tu ne me touches même plus, ni même me faire sentir femme? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Le voilà, arrêtez-le. Qu'est-ce que j'ai fait? Suis-nous, amenons le palais. Hein? Obidike! Obidike! Lâchez-moi! Ta cupidité! Ta cupidité! A fini par te détruire ta vie! Obidike! Le fils du soleil du matin. Je suis Ozoma. Tu es par l'homme avec qui j'ai combattu. La fin d'Obidike, fils de Nubweze, seul descendant des dieux.
Mes salutations à la plus jeune fille du royaume. Les fleurs du soleil du matin doivent être jalouses de ta beauté incroyable. Vous avez l'air préoccupé. La plus belle. Qu'est-ce qui vous dérange? Ne m'appelez plus ainsi. Car si mon mari Obidike l'entend, il ne sera pas content. Votre cœur est pur. Vous lui faites confiance. Mais je me demande pourquoi. Il vous humilie toujours devant toutes ses concubines. Vous racontez n'importe quoi. Obidike, mon mari, ne va jamais me tromper. Je l'ai dit plus tôt. Votre cœur est pur. Je me demande si en vous montrant ceci, vous aurez toujours confiance en lui. Me montrer quoi? Venez, suivez-moi. Impatiente qu'Odibike rentre et qu'il me prenne enfant dans ses bras. Les dieux ne l'ont pas seulement béni avec une force incroyable, mais sa virilité en dit plus sur sa puissance. Mais je ne comprends pas pourquoi Masenashi n'apprécie pas vraiment cette force en lui. Il a dit que Masenashi est santé comme une orange pourrie à chaque fois qu'il veut la toucher. Elle me l'a affirmé. Dès qu'il rentre dans son voyage, il fera de nous ses femmes et jettera Matienesse hors de chez lui. Comment peut-il me ridiculiser de la sorte? Je crois en lui et en ce que les dieux ont fait de lui. Je le vois comme un dieu. Pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi m'avoir fait ça? Ne pleure plus, ma bien-aimée. Les dieux m'ont conduit vers toi pour te rendre heureuse. Désolé. 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 Calme-toi, guerrier. Calme-toi. Ah. La saison des vautours a-t-elle commencé dans tes rêves? Doucement. 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 Quand es-tu arrivé ici? Pas très longtemps. Tu saignes, guerrier. Père les dieux. Je croyais que c'était juste un rêve. Si c'était un rêve, ça veut dire que les vautours ont commencé à se nourrir de ta chair. Ils sont en train de festoyer avec la carcasse du lièvre. Pourquoi est-ce que je ne guéris pas? Pourquoi? Parce que tu t'es fait empoisonner dans la cour d'Oniro. Mais qui es-tu?
car tes mots ont une étrange signification. Regarde au-dessus de toi et tu verras que ce que je dis n'est rien d'autre que la vérité. Doucement. Doucement. Par tous les dieux. Les dieux d'Oumiké. Les dieux du royaume d'Oumiké. Et que l'obscurité de Mochanu t'avait arrêté au point où tu ne viendrais plus me voir. Je t'ai retenu par la nouvelle que j'ai apprise. Et quelle est cette nouvelle qui t'a empêché de venir me voir? Ton mari, Obidike, est en train de rentrer. Apparemment, ça ne te plaît pas. Comment pourrais-je me réjouir quand j'ai prié les dieux pour qu'il se fasse trancher la gorge dans le champ de guerre. Mais il rentre encore victorieux. Izu, s'il te plaît, tue-le pour moi. Tu es venu me voir. J'ai soif. Puis-je boire un peu d'eau de ta gourde? Dis-moi, pourquoi est-ce que j'ai duré un inconnu comme toi? Que puis-je offrir à un si grand guerrier comme toi? Ok. Je t'aiderai à porter ton armure. Mon armure? Oui, ton armure. Merci bien. Je suis de retour à la vie. Je peux encore boire. Ne finis pas mon nom. Alors, où est-ce que tu vas? Tu poses des questions comme un idiot. Tu es aveugle. T'es si aveugle pour ne pas voir que je suis le grand Obidike, le fils des dieux. Oh, que les dieux soient loués. Je n'aurais jamais cru que mes yeux verront un jour un grand guerrier comme toi. Nous entendons juste tes exploits. Je n'aurais jamais cru que, un jour, je boirais de l'eau dans ta gourde. Je bénis cette journée. Thank you.
Il m'énerve, je le déteste à cause de sa fierté et de son arrogance. Il pense toujours dans sa tête que Wosha l'a crié mieux que nous. Mais tu sais, je ne suis pas jaloux de sa force. Obidike était doté de la force de 1000 hommes. Comment pourrais-je le tuer? C'est une équation impossible. Tu dis que c'est impossible. Pourtant, les vers de terre se déplacent sans pied. Oui, bien sûr, mais ils se déplacent grâce à leur tête. Car ils ne peuvent pas se déplacer sans elle. Ma, comment veux-tu que j'effraie un homme qui effraie même les esprits? Oponokona Buneguanu. C'est une mission suicide. Je suis sûr que tu as vaincu le royaume d'Akpana d'un seul coup de ton épée. Dis-moi, tu n'as pas de nom? Tu n'as pas demandé. Alors, pas de réponse. Car je ne peux pas répondre à des questions. Si tu me parles encore ici, une fois de plus, je te promets de te couper la tête. Quel est ton nom? Je n'arrive pas à respirer. Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Tu veux connaître la vérité? Ou bien tu veux que je te dise ce que tu veux entendre? Bien sûr, je veux la vérité. Voilà la vérité. Je m'appelle Om. C'est quoi ce stupide nom que tu portes? Dis-moi ton nom! Parle! Je te l'ai déjà dit. Je m'appelle Om. Je croyais que tous les hommes étaient des bêtes. Mais tu es le pire d'entre eux. La stupidité, c'est quand une fourmi décide de se nourrir de la chair d'une mère poule. Car ensuite, la chair ne suffira pas à nourrir le poussin. Obidike est un demi-dieu. Me demander d'aller l'affronter comme me demander d'aller commettre un suicide. Je ne peux pas me confronter à lui. J'ai un plan pour le tuer. Izo, vas-tu m'aider à le tuer? Parle-moi de ton plan, je verrai si c'est possible. Je te le dirai. Mais d'abord, mon corps est en manque. Je veux te ressentir en tant qu'homme. Ah, ah.
Aïe. 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 Ah, je suis vraiment désolée. Hein, je devais faire attention, désolée. Mais par les dieux, qu'est-ce qu'une si jeune belle-fille fait toute seule dans cet endroit? Les maraudeurs pourraient te faire du mal. En fait, j'étais en route avec mon père pour Izyokwe. Malheureusement, nous avons été attaqués par les maraudeurs, y compris nos esclaves. Je me suis débattue à échapper. Tragédie. Tragédie. Suis-moi, tu seras plus en sécurité. Pourquoi dois-je vous suivre? Je ne vous connais pas, comment savoir que vous n'êtes pas avec eux? Comment puis-je être l'un d'eux? Je suis Obidike, le fils des dieux. Obidike. Obidike. Oh, je bénis les dieux. Je bénis les dieux. Je n'avais jamais imaginé que j'allais te rencontrer un jour. Le tout-puissant Obidike. Je te salue. J'irai avec toi. Oui. Suis-moi, belle demoiselle. Je viens. Ma, tes plans me font peur. Et si ça échouait? Tu sais bien que Obidike donnera nos corps aux vautours. Je suis sûre qu'on réussira. Car les dieux sont avec nous. Ma, s'il te plaît, apporte-moi quelque chose à manger. Ce plan ne m'inspire pas, c'est un homme trop fort. Moi, je suis fatiguée, je peux plus marcher. S'il vous plaît, mes pieds chauffent et ma gorge est sèche, j'ai besoin de boire de l'eau. Je suis vraiment épuisée. Avançons encore un peu. Il y a un abri devant. Suis-moi, belle demoiselle. Tu l'entends? Prends ça. Tu descends le long de la route et tu verras un ruisseau. Puise de l'eau pour qu'elle puisse soulager sa soif. Qu'est-ce que je peux dire en mots? Exprime le fond de ta pensée. Grand guerrier, ceci ne peut être entendu que par vous. Comment le grand Obidike, l'élu des dieux, peut-il être aussi naïf? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas une bonne amie pour toi. Je te conseillerais de savoir où se trouve ta place. Cours jusqu'au ruisseau et fais ce que je t'ai demandé de faire.
Cours. Belle demoiselle, quelle? Eh? Ton nom? Mon nom c'est Ouzo Niridike, mais mes proches m'appellent Ouzo. Je vois. Je suis désolée. Je sais que ça touche. Désolée. Prends-moi. J'ai toujours demandé au Dieu de me donner un homme fort comme toi. L'homme qui m'enlèvera ma virginité. Tu peux me prendre. Voici l'eau. Tiens, est-ce que nous pouvons partir? Cet endroit n'est pas prudent pour y passer la nuit. On ne peut pas partir. J'ai encore mal aux pieds. Il faut que je me repose encore. S'il vous plaît. Grand guerrier, s'il te plaît, pouvons-nous partir? Renvoie-le. On peut rester seul cette nuit, juste nous deux. Fais-le partir. Grand guerrier, le vautour souhaite toujours tuer ce qu'il a l'habitude de manger. Mais ses dieux l'en empêchent toujours. S'il vous plaît, allons-y. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Pourquoi voulais-tu lui dire qui je suis? Pourquoi fais-tu cela? Parce que c'est ce que je fais. Ouzo Niridike, tu es placé là à faire semblant de ne pas me reconnaître. Oui, ça c'est parce que je ne te reconnais pas. C'est vrai que tu me sembles familier, mais je ne te reconnais pas. Ouzo Niridike, la déesse de la semence. Tu dois être tendu ces jours-ci. C'est-à-dire? Bien, je suis homme. Le spectateur. Homme. L'œil qui voit tout. Oui, je savais que tu étais familier, mais je ne m'attendais pas à te voir de si tôt. Fais-toi faveur à toi-même. Reste loin de mon chemin. Obidika a été jugé par les quatre dieux, des quatre créatures vivantes. Reste loin de mon chemin. Il doit mourir. Comme tu le sais si bien, mon travail est de regarder et d'annoncer la chute des hommes puissants. Nous nous rapprocherons des frontières de ma terre. Marchons. Thank you.
Qu'as-tu trouvé? Il se rapproche de Mickey. Tu devrais plutôt dire qu'il se rapproche de sa tombe. Tu es sûre de vouloir le faire? Obidike, c'est ton mari. Il n'est pas mon mari. Il ne m'a jamais vu comme tel. Il ne voit que lui et ses nombreux exploits. Mais pourtant, c'était ton choix. Un choix fait dans l'ignorance, sans savoir que c'était un menteur. Tu veux tuer Obidike, malgré que Zeboara ne l'a pas encore appelé auprès de lui. Obidike n'est pas fait pour rester parmi les vivants. Je peux sentir ma terre de naissance, ma terre natale. Ça fait un long moment que je suis allé conquérir le monde des humains et des esprits. Obidike. Ozo. Oui. Dès que nous arriverons à la maison, je te raconterai les histoires de mes nombreuses victoires. Je ne peux plus attendre. Mes oreilles ont déjà hâte d'entendre tes victoires. Ne t'en fais pas. Très bientôt. Très bientôt, ne t'en fais pas. Très bientôt. Oui. Ah. Quoi? Tu te fais mal? T'as eu quoi? C'est juste une petite entorse. Attends que je regarde. Ici. Ici? Ici. Ici. Ah. T'inquiète pas. Ah. Non, mieux. Attends. T'inquiète pas. Quand nous serons arrivés, je vais faire un mélange d'herbes qui va soigner ta blessure, ok? Je suis Obidike, le fils des dieux. Allons-y. Pendant que j'étais là dehors, à conquérir le monde des humains et des esprits, tu étais là jouer à l'amoureuse. Qui est cet homme? Tu me fais du mal. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui était avec toi? Il s'appelle Ozu. Il vient de Mukuma. Il est venu pour te voir. Il est venu me voir. Il est venu me voir. Comment t'appelles-tu? Je suis désolé, le grand Obidike. Je ne savais pas que vous arriviez.
J'ai demandé. Comment t'appelles-tu? Mon nom c'est Izu Abaranadike. Mais d'où je viens, de mon canal, on m'appelle Izu. Izu Abaranadike. Oui. Dis-moi. Oui. Tu connais Omukama? Qu'est-ce que ton peuple raconte à mon sujet? Omukama, ma terre natale. Le seul pour qui le soleil se lève devant sa porte, crié par lui-même et par le Seigneur loi à nos jours. Je remercie les dieux de nos ancêtres de m'avoir donné la grâce de me placer devant ta présence. Quand la saison sèche arrivera, je rendrai visite à ton peuple. Je prierai pour que les dieux ne fassent pas tomber la nuit pour qu'on ne cesse de profiter de ta présence. Wana wala Didio. L'homme spectateur, je t'ai enfin vu. Les quatre dieux des créatures vivantes s'empressent sûrement d'en finir avec Obidike. C'est un menteur. Il a menti aux hommes et aux esprits. C'est comme ça que sa vie lui sera ôtée. Je regarderai. Amam Ninel. L'histoire est toujours en sa faveur. Il est rentré avec des amis. Ce ne sont pas des amis. Ne t'en fais pas, ma bien-aimée. Ton souhait sera bientôt exaucé. Je ne saurais assez remercier les dieux. En sa chute arrivera. Je grelotte. J'ai très froid. Tu as déçu tes ancêtres. Et ils t'ont abandonné. Tu as été béni avec cette force incroyable qui t'a été donnée pour servir le royaume d'Umiki. Mais tu es devenu arrogant et cupide. Mon fils, tu t'es transformé en un marchand de la mort. Autant la vie à plusieurs personnes. Mère, s'il te plaît. Mère, vais-je mourir, mère? Mère, vais-je mourir? C'est le temps pour toi de te repentir. Laisse-moi te raconter l'histoire de ta force. Undubuze, nous ne pouvons pas continuer de rester assis là et agir comme si nous avions du sable plein les yeux. Pendant que nos filles et nos fils n'ont de cesse de se faire capturer par les guerriers du royaume de Nyaka, ceci n'a que trop duré. Nous devons faire quelque chose. Alors qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Je propose un traité. Proposons-leur donc un traité de loyauté qui stipulera que nous leur donnerons un nombre défini d'esclaves chaque saison et nous serons tirés d'affaire. Ça n'arrivera pas. Est-ce que tu m'entends? Cela n'arrivera jamais. C'est pour cela que vous m'avez appelé. Je croyais pourtant que cette réunion avait été convoquée pour trouver une véritable solution. Je ne vous comprends absolument pas. Mais nous sommes en train de le faire. Ou alors tu as une meilleure proposition que celle que j'ai donnée.
Quelle autre proposition? Qu'est-ce que tu as dit? Écoute-moi bien. C'est lorsqu'une chèvre comme une poule se mettra à pondre des œufs que moi j'accepterai que cette abomination arrive dans ce village. Ferme-la! Ferme-la! Il nous pouvait essayer de la fermer! Ferme-la! J'en ai envie! Tu n'as pas le droit de dire ces paroles-là dans cette affaire! Des craintes fessiquées tout bas. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis Anyawa Ututo, la déesse du soleil. Je ne suis pas venue me battre avec toi. Bienvenue dans mon humble demeure, grande déesse. Tu as un cœur pur. L'homme porte ses problèmes dans son cœur. Et ce n'est pas en les racontant à tout le monde qu'il réussira à résoudre ses problèmes. Mon cœur est noir. Vraiment, vraiment très noir. Et tes ancêtres? On veut tes souffrances. Tu auras un fils qui servira pour ce royaume. Viens. Viens avec moi, fils de Kedouba. Viens. Thank you.
Ndouboise! 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 Oui. Ancien Douniéke, la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est séparé dans de mauvaises conditions. Que me vaut aujourd'hui l'honneur de votre visite? Ah, Ndouboise, nous avons vu une jolie femme autour de Tahu tournant autour hier. Et nous savons bien qu'elle y est encore en ce moment même. Il faut que tu la fasses sortir pour que nous puissions l'emmener au royaume d'Onyaka. Il se pourrait bien que nous trouvions faveur à ses yeux grâce à elle. Et il nous donnera un peu de paix. C'est pour ça que nous sommes là. Que j'aille la faire sortir. Oui. Je suis navré de te voir parler comme quelqu'un qui n'a pas tété le sang de sa mère. Donc voilà l'ambé. Ndouboise, ne nous insulte pas. Entre et fais-la sortir. Tu sais bien que tous ici dans ce village avons déjà donné un fils ou une fille au peuple de Nyaka. Et toi, qu'as-tu donné? Absolument rien du tout. Je ne suis pas obligé de discuter avec vous. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir accepté de faire exactement comme vous. Et alors? Dépêche-toi de la faire sortir. Voilà. Elle est trop bien pour être avec toi. Fais-la sortir. Il n'y a que les dieux qui puissent véritablement la faire sortir d'ici. Sinon, vous devrez me tuer pour la faire sortir. Frère, mon cher aîné, allons-nous-en. Il semble qu'il a besoin d'un peu de motivation pour la faire sortir. Et il sera servi. Allons-y. Odogwa Brokanaf. Odogwa Brokanaf. Dans cette misérable vie, chacun de nous portera son sac exactement tel qu'il l'aura fait. C'est ce qu'on verra. Ndouboise, makemalo, onabonfeke, kanalo, onatubono guaka, malife. Tu verras. C'est lui. Emmenez-le. C'est lui. Aîné. C'est vous qui me faites ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ndouboise, je t'ai dit un jour que même le lézard le plus agile peut tomber de son mur. Oui, elle est brune et belle. Oui, ça fera plaisir à notre seigneur. Amenons-la. Vous ne pouvez pas empêcher le soleil de se lever. Guerrier d'Anyaka, je vous conseille de retourner chez votre roi et vos vies seront épargnées. Malgré que tu sois brune, tu as quand même une grande bouche. Amenons-la, amenons-la. On ne te fera aucun mal. Mais... Trouve ta voix comme Ndouboise l'a fait. Saison après saison, les aînés d'Omike ont continué à donner des esclaves au royaume d'Anyaka.
Maintenant, tu connais ton histoire. Il est temps pour toi de trouver ta voie et de sauver des vies. Osebelewa et tous les ancêtres et les quatre dieux de toutes les créatures t'ont condamné à mourir. Obidike, mon fils, descendant des dieux, fais-moi honneur. Merci, mère. Je te ferai honneur. Obidike est l'homme le plus fort qui ait jamais existé sur cette terre. Pourquoi vouloir le tuer de manière si simple et ordinaire? C'est un prêtre. Et sa vie lui sera arrachée ainsi. Est-elle allée chercher les hommes d'Anyaka? Tu as sûrement dû planter ta graine en Masenachi pour qu'elle puisse accepter de collaborer avec les guerriers d'Anyaka. J'avais déjà vu cette graine de colère en elle. Mais je m'inquiète car la force et l'esprit qui entourent Obidike auraient pu avertir sa mère, Aniawo Toto. Parle. Qu'est-ce que tu as pour nous? Ma mère m'a dit une fois que les fruits d'Oudara sont bons quand ils tombent d'eux-mêmes. J'ai ce que vous voulez. Ce qui veut dire? Obidike, il dort profondément. Dépêchez-vous et vous l'aurez. J'espère que ce n'est pas un piège. J'espère que c'est la vérité. Il est mon mari. Mais je veux qu'il meure. Son of the soil, offspring of the god, right in his veins is the strength of a thousand, born immortal, strong and mighty. Obidike. Obidike. Qui sont-ils? Fereno Batibika, car vous n'avez pas assez de temps. Qui es-tu et qui t'a donné mon nom? Ce n'est pas le moment des questions. Pardon, allez le récupérer à l'intérieur avant qu'il ne se réveille. Vouloir faire. Tu oses te mettre sur le chemin des quatre dieux. Je fais partie des quatre dieux dont tu parles. Ouzo, Yuridike. Tout comme n'importe quel homme, mon fils ne mérite-t-il pas une deuxième chance? Il ne mérite pas une autre chance. Il a envoyé plusieurs personnes à la mort prématurée. Il ne mérite pas une seconde chance. J'ai demandé à Ouzo Oberoua de lui accorder une autre chance. Et il en fait. Bien, nous allons voir ce qui se passera. Un méchant comme ton fils ne peut pas échapper à la mort. La destination finale de tout homme. Jamais! Hey,
Ce qu'on lui a fait, ça joue en notre faveur. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de couper sa tête. Et je serais content de voir sa tête repousser. Es-tu parmi ceux qui ont été envoyés pour me faire tomber? Je suis homme. Je regarde et j'annonce la mort des grands hommes. Je suis Obidike! Et je mettrai fin à l'esclavage dans ce village! L'esclavage. Je suis Obidike, le fils des dieux. Qu'un coin qu'un dieu. Mon mari. Je sais que tu es blessé. Mais tu dois avancer. Yeah!
Ça commence maintenant. La fin de la terreur. Je veux que des gardes soient postés à tout endroit stratégique. Dans ce royaume. À l'entrée de ce royaume. Obidike n'a plus ce qu'il a toujours été. J'ai demandé à Obidike de tuer Obioma. Et nous savons que quiconque réussira à tuer Obioma sera maudit par les dieux. Et la fin d'Obidike est proche. Tu mens. Tu as tort. Tu as tort. Les dieux m'ont donné une deuxième chance de vivre. Et cette fois, c'est pour mettre feu à ton règne. Obidike. Obidike. Quiconque s'en prend à Obioma est maudit par les dieux. Tu es maudit. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Obidike. J'ai été mis au monde par la déesse du soleil. Les dieux n'oublient pas les leurs. Je te ferai tomber. Allez, tuez-le. Tuez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Je te l'avais dit. Aïe, aïe, aïe. Non, je te tuerai à menu. Oh, Petit Quai. Non. Je te l'avais dit. Ah, Petit Quai. Ah, Petit Quai, je t'en prie. Je te rendrai riche. Je vais te donner tout ce que je possède. Je te donnerai... Je suis au Petit Quai, le fils des dieux. Penses-tu qu'il va survivre? Je ne le pense pas. Pourquoi ne pas attendre voir ce qui va se passer juste après? Dis-moi, pourquoi veux-tu que je meure à tout prix? Pourquoi? Obidike, un homme comme toi ne mérite pas de marcher parmi les hommes. Mais mes ancêtres et Osebroa m'ont donné une seconde chance de vivre pour tout reprendre. Dans ce cas, je n'ai plus rien à faire avec une terre de mortels. Obidike, fils des dieux, j'espère que nos chemins ne se croiseront plus dans de mauvaises conditions. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne t'en veux pas. Tu es en train de marcher avec des esprits plus forts que toi. J'ai tué le roi. Eziago. J'ai aboli l'esclavage dans mon village. L'esclavage est enfin terminé. Tu l'as fait? Dans le royaume d'Oumike. Je suis Obidike, le fils des dieux. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19, précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Obidike, strong and mighty, right in his veins, is the strength of a thousand, the greatest warrior, Obidike, strongest of all men. A great warrior, son of the soil, offspring of the God, right in his veins is the strength of a thousand, born immortal, strong and mighty, Obidike, Obidike. He's an offspring of the God. He's strong and mighty. Obidike. A born immortal. Son of the soil. Born immortal. Obidike. Strong and mighty. Right in his veins. Is the strength of a thousand, the greatest warrior, Obidike. Obidike, son of the soil, offspring of the God.